Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu, tendres espoirs, bouquet d'un soir, dont le parfum n'est plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse. Oh, moi j'aime tout ce que vous aimez. Comment ça s'appelle ? Le paradis perdu. Ben, la nôtre devrait s'appeler le paradis tout court. Vous avez une brèche à l'ivoire ? Vous savez, nous autres, dans la couture, on ne chante pas, on fredonne. Légitime épouse selon les rites canoniques de notre sainte mère l'Église, Mademoiselle Jeannine Mercier. Oui. Mademoiselle Jeannine Mercier, consentez-vous à prendre pour légitime épouse selon les rites canoniques de notre sainte mère l'Église, Monsieur Pierre Leblanc. Oui. Au bout de l'acheter, le signal d'alarme est levé là-bas, tu vois. Viens, on va aller voir ce que c'est. Ah ben, peut-on savoir ce qui se passe dans votre village? Oh, ça fonctionne, monsieur, on peut le savoir. Fini la pêche. La chasse, maintenant. C'est la mobilisation? À Saint-Léry, elle est déjà affichée. Attendant un peu, vaut mieux être tous les deux seuls pour rentrer au village. Hmm? Bien sûr. Parce que tu sais, je crois que pendant un bout de temps, ben, on n'aura plus l'occasion de se promener ensemble. Ton mari ne sait rien, naturellement. Oh non. Je ne voudrais pas qu'il s'inquiète. Il le pourrait en effet. S'il savait que tu travailles à l'usine et que tu te prives de tout pour lui envoyer des paquets. Je ne voudrais tout de même pas m'enlever mon seul plaisir. Je vous estime beaucoup, Leblanc. J'ai eu l'occasion d'apprécier votre cran durant les coups durs. Pour... C'est tout naturel, mon capitaine, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, oui. Et si je vous en parle... et aussi de la véritable amitié que j'ai pour vous. Il n'est pas arrivé quelque chose à ma femme, non? Je vous avais caché qu'elle attendait un enfant, et c'est en mettant au monde une petite fille que Madame Leblanc est morte. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis. Faut pas stationner ici, sergent. Vous savez bien que c'est dangereux. Perdu.
Tu as la même voix que ta maman. Je suis certaine que maman était un être adorable. Et j'ai la conviction qu'elle souffrirait horriblement de ton chagrin, qui ne veut pas guérir. Il faut que tu l'oublies. Jeannette Leblanc, consentez-vous à prendre pour époux, selon les rites canoniques de notre Sainte Mère l'Église, Gérard Aubuchot. Gérard Aubuchot, consentez-vous à prendre pour épouse les épines, selon les rites de notre Sainte Mère l'Église, Jeannette Leblanc. Oui.